Tu sais que là-bas, les gens arrosent les graines et cela chaque jour pour que les racines grandissent par la lumière du jour. Ils vivent d'amour d'eau fraîche, même s'il n'y a rien tout autour. C'est un désert qu'on laboure, sachant qu'il n'y a rien en retour. Le pire, c'est que les gens restent humbles, c'est ça qui est triste. Restant plus que simple, ils continuent à prier ce Christ qui n'a rien donné, même si par leur souffrance ils l'ont mérité. Ça sera peut-être comme ça jusqu'à la fin de l'éternité. Les petits naissent, n'atteignent toujours pas l'âge de 10 ans et parfois dans un fossé, on trouve un de ces gosses 10 ans abandonnés pour sa maladie, peut-être contagieux. Les plus chanceux sont trouvés, sauvés par des religieux. Heureusement que Dieu guette les coins quand il en a envie. Seul a décidé de donner ou de reprendre une vie. Injustice, inégalité, voilà des mots bien étranges. Si je pouvais effacer du dico tous ces mots qui me dérangent. Le monde est ainsi fait, ne changera pas de chemin. Genoux à terre, mains jointes, je prie pour les miens. Le monde est ainsi fait, ne changera pas de chemin. Pour mes frangins, j'espère le meilleur lendemain. Tu sais combien d'enfants pieds nus pleurent parce qu'on les laisse. Tu sais combien d'assiettes sont déjà vides avant que le môme laisse. Je fais partie de ces gens qui prient pour que ce besoin cesse, pour que l'eau soit pour ta part, tout et que la mort subite disparaisse. Pour trouver de quoi boire, elle marche plus de 60 minutes. Femme enceinte, peu importe, c'est pour bien vivre qu'on lutte. La souffrance a accentué les traits de leur visage qui reflète l'image de l'homme vivant dans un monde plus sauvage, sans instrument, rendant la vie peu facile mais supporte. Un bon lutte pour survivre, mais pas pour que ça devienne rentable. Il n'y a pas de marché, concurrence gain, y bénéfice. Un pour tous, tous pour un, et mon enfant sera ton fils. La pauvreté unit les gens, et cela directement, moins d'argent, plus solidaire. Comme le disait ma maman à l'aube de l'an 2000, on parle donc d'un monde plus moderne. Pas si loin d'ici, mes frères vivent encore dans des cavernes. Le monde est ainsi fait, ne changera pas de chemin. Genoux à terre, mains jointes, je prie pour les miens. Le monde est ainsi fait, ne changera pas de chemin. Pour mes frangins, j'espère le meilleur lendemain. Tu comprends pourquoi je suis content d'avoir le peu que j'ai, pouvoir dormir au chaud et à chaque fois ma faim manger. Quelle chance on a, garçon. Quelle chance d'habiter cette France, de pouvoir dire ce qu'on pense. Ici on a droit à cette indulgence, comment les gens se plaignent-ils? Y'a pas un semblant de misère, on dirait qu'ils ignorent habiter le meilleur côté de l'univers, où luxure, gourmandise et paresse existe bel et bien. Où la loi qui règne est hélas celle du malin, une balance trop inégale entre pauvreté et richesse, entre bien et mal, entre sobriété et fraise. Quelle honte de voir l'aliment servir de gaspillage, quand d'autres ailleurs pour manger doivent s'adonner au pillage. Regarde le JT de 20h, chaque soir tu verras que c'est la même, même si le monde recule ailleurs, gars. Moi j'avance quand même, le cœur blessé c'est vrai, mais que veux-tu que j'y fasse, frangin? La vie est ainsi faite, je ne pourrai jamais changer demain. Le monde est ainsi fait, ne changera pas de chemin. Genoux à terre, mains jointes, je prie pour les miens. Le monde est ainsi fait, ne changera pas de chemin. Pour mes frangins, j'espère le meilleur lendemain. Le monde est ainsi fait, ne changera pas de chemin. Genoux à terre, mains jointes, je prie pour les miens. Le monde est ainsi fait, ne changera pas de chemin. Pour mes frangins, j'espère le meilleur lendemain.